Bonjour! Aujourd'hui, une histoire de Kazuo Iwamura, la pomme rouge. La pomme rouge. Na-chan aime monter tout en haut de la colline. Elle a apporté une belle pomme rouge. Quel plaisir de manger cette belle pomme rouge en haut de la colline. Oh non! La pomme de Na-chan se met à rouler. Rouler! Attends-moi, pomme rouge! Attends-moi! Lapin, s'il te plaît, arrête ma pomme rouge! Attends-nous, pomme rouge! Attends-nous! Écureuil, s'il te plaît, arrête cette pomme rouge! Attends-nous, pomme rouge! Attends-nous! Mais la pomme roule, roule! Et l'écureuil roule, roule! Et le lapin roule, roule! Et Na-chan roule, roule. Na-chan roule, le lapin roule, l'écureuil roule et la pomme roule, roule vers le bas de la colline. Oh, la pomme est arrêtée par le dos d'un ours. Et l'écureuil et le lapin et Na-chan aussi. Ouf, 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 ouf. Oh, cette pomme rouge, comme elle est belle. Comme elle sent bon. Comme elle a l'air bonne. Je veux la manger. Moi aussi, moi aussi. Et si nous allions tous la manger en haut de la colline? Na-chan mord dans la pomme. Miam, c'est délicieux. Le lapin croque dans la pomme. Cric-croc, c'est délicieux. L'écureuil grignote la pomme. Scrouch-crouch, c'est délicieux. L'ours prend une grosse bouchée de pomme. Crouch, oh, que c'est délicieux. Regardez, il nous reste les pépins. Nous allons les planter ici. Et un jour, en haut de la colline, nous verrons un pommier avec de belles pommes rouges. Et voilà, et voilà, mon histoire est finie.